tout le monde, merci pour les 90 000 abonnés, je vous présente la princesse de l'amour. Qui se trouve là-bas. Coucou Stacy. Premier prétendant. Salut tout le monde, moi c'est Juanito, Juanito Carlito Pepito, le roi du gâteau. Alors aujourd'hui, je viens pour ma princesse, Stacy. Je ne l'avais pas vue, maintenant je comprends pourquoi il n'y a qu'une seule prétendante. C'est parce que les autres, elle les a fait fuir. Coucou Stacy. Coucou. Ciao belle. Deuxième prétendant. Bonjour, je m'appelle Roméo, j'ai 42 ans, et puis j'habite à Marne-le-Duc, et je viens pour la Fifi. Salut Roméo. Roméo. Juanito, Carlito, esposa, Pepito, le roi du gâteau. C'était pas ça tout à l'heure. Donc, tu commences Ah, c'est vrai, je te laisse la première place. Bonjour. Je m'appelle Roméo. Enchanté. Tu t'appelles comment? Stacy. T'es joli? Je vais te poser une question. Oui. Regarde la caméra en même temps. Voilà. T'as quel âge? Oh, j'ai 32 ans. Quand tu vas au cinéma, oui. Tu préfères les films d'action ou les films d'aventure? Regarde ça dans les yeux. Ou les films d'aventure? Ou surtout, est-ce que tu... Oh, Robert. Il y a des enfants quand même qui regardent la chaîne YouTube. Il faut moller. Goulou, goulou. Goulou, goulou, non, hein. Derrière caméra. YouTube, pas you, hein. D'autres questions? Il faut répondre. À moi? Des films d'aventure. Des films d'aventure. C'est bien les films d'aventure. Et puis, je voulais savoir aussi, quand tu vas au cinéma... Est-ce que tu peux faire les films d'action ou d'aventure? Et surtout, goulou-goulou, hein? Roméo, on a dit non, il y a des enfants qui regardent. Goulou-goulou. Goulou-goulou, non, c'est après caméra, goulou-goulou. Si elle est d'accord, quand elle ou deux billets dans le barman, ça devrait passer. Je connais ça, dans mon pays, il y a beaucoup. Mais tu as mis tout? Quoi? En français? Tu habites où? Ah! Près de chez toi! À Marlunis! Non, à côté. À côté, d'accord. Je vais laisser le prétendant. Ouais, au suivant! Ça s'est bien passé, Roméo? La Fifi! Oui, la Fifi! La Fifi, elle est jolie? Ça me gratte. Ouais, tu veux y gratte? Oui, gratte. Moi, y gratte. Mais d'abord, payons gratte avec le moustache. Bonjour, bonjour. J'ai apporté un bouquet de fleurs. Oh! Ah, merci! Tu as cassé le bouquet de fleurs. Tu casses mon bouquet là. Ce n'est pas gentil. Oh, pardon, merci. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je suis Juanito Pepito Esposa. Merci, Pepito. Merci. Toi, tu repars avec lui, la plus jolie. Prends celui-là. Tu t'appelles Juanito maintenant? Juanito. Esposa del Pablo, del Pepito, okay. La roi des gâteaux, c'est d'accord. Important. Okay. Et toi, comment tu te payes? Comment tu te payes là? Je me paye là, d'accord, alors c'est la mission, c'est la princesse de l'amour. Oui. De l'amour là ou l'amour... L'amour au la tchèche. Comme Roméo, il voulait... Goulou-goulou. Goulou-goulou, oui, il connaît Goulou-goulou. Il a fait beaucoup Goulou-goulou dans mon pays. C'est vrai? Tu as des enfants? Il y a des enfants? Il y a la caméra.
Coupé. Hein? Hein? Action. Action. Action, action. C'est l'action, moi je connais l'action. Toi aussi, toi, me l'as fait dans l'action? Oui. Oui, j'aime l'action. Oui. D'accord, c'est bien. On s'en fout. Elle n'a pas compris, c'est normal, elle est complètement conne, Nana, que vous m'avez trouvé là dans la production. Je crois que la production, elle a loupé son casting. Il faut recommencer casting, production. Moi, c'est pas possible. Une fille comme ça, un garçon comme ça, il n'y a pas pareil. Hein. De quoi, qu'est-ce que tu veux savoir de moi? Il y a des enfants. Je trouve pas ma réponse. Il y a des enfants? Oui. Alors moi, je te dis, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. La vie, c'est d'abord des rencontres. Des rencontres au bord d'un chemin qui ont fait que... Voilà. Tu aimes les croquettes? J'adore les croquettes. T'en veux une? C'est ton modèle, il y a plein. Tiens, tiens, prends les croquettes. Tiens, quoi? Si, il y a la croquette. Elle parle beaucoup avec toi, Fifi. Tiens. Tiens. Dans sa main, un bouton une 4. Elle est quoi? Il mange la croquette. Il a croqué la croquette. On va l'appeler David. David croquette. C'est bon, Roméo. Un aimant, un croquette. C'est vrai, c'est bon la croquette. C'est pas Roméo, c'est David. Chez David croquette. Oh, tiens, regarde. Il t'a apporté un deuxième cadeau. Un chat. Un chat. Un chat. Tiens, un chat. Pardon, petit chat. Tu es un bon petit chat. Toi, t'es viré. Je veux pas de toi. Ça, c'est miné. Maman, elle est. Tiens, retourne, Roméo. David Croquette, va. Il est anti-petit chat. Moi? Il est anti-petit. Mais c'est la patate que t'as sur le nez? Non, c'est les moutons. Ah, non, non, non. Non, non, non. Tu es mort comme un fruit? Non. Un gifle? Non. Est-ce que tu m'aimes? Ah oui. Est-ce que tu peux repartir avec moi? Ah oui, la Fifi. La Fifi, goulou, goulou. La Fifi. La Fifi. La Fifi. Non, non, non. On va rester pour le moment. C'est pour si jamais les boutons ils éclatent, comme ça, ça reste avec toi, c'est pas pour la pipi. Voilà. Ah, t'as perdu ton bouton sur le nez. Il a éclaté mon bouton. Il a éclaté ton bouton sur le nez. Mon bouton il est maintenu. Mais c'est un traitement médical. Non, bon. Donc voilà, donc je m'appelle Roméo, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, ben, on va te laisser, tu vas choisir. D'accord. Après. Hey, qui va nous choisir? Elle va nous choisir tous les deux? Je sais pas. Oh, tu me diras, il y a cette place. Oula. Je suis bloqué. Ah, il est là, le bouton. Posez-moi la question. Du coup, je choisis qui? Vos impressions? Mes impressions? J'ai connu mieux comme prétendant entre un boutonneux et un... je comprends pas ce qu'il dit. On a connu mieux comme prétendant aussi, hein? Ouais, on va choisir le boutonneux. Hein. Je sais pas comment il s'appelle. Donc vous allez aller vers eux. Ouais. Et leur dire qui vous choisit. Je donne l'affaire à celui que je choisis? Voilà, tout à fait. Ah, super. Je suis obligée de choisir quelqu'un? Oui. D'accord. Ça part entre vous, là? C'est normal, on a appris à se connaître durant l'émission. Voilà. Je refuse. Hein? Non, en fait, c'était juste pour le beige. Je m'en fous de toi, tu m'es moche. Ah, du coup, c'est moi qui choisis? Moi, c'était le beige. C'était moi. C'était juste pour être reconnu. Moi, toi. Moi, toi, conseil, ça. Toi. Je t'aime pas. Je te choisis pas. Y'a pas non plus. Tu m'as pas reconnu. Je suis quand même éloigné. Non, mais si, toi, le roi du gâteau, et tu m'as pas reconnu. Cabron! Essaye encore! Les petits. Les Essaye petits, encore! Les petits Ron. Elle est vexée. Oui, elle est vexée. C'est normal quand même, on l'a un petit peu. Allez, du coup, il est grand, il reste que tous les deux, hein? Oui. Oui.
Voilà. N'oubliez pas de commenter, partager, abonnez-vous et à bientôt.